Et salut à tous, c'est Adcom. On se retrouve pour la dernière vidéo avec les druides. Pour la, on va dire la campagne avec le domaine de classe des druides. Parce que la dernière vidéo, on avait fini la campagne du domaine de classe. Et après, les autres quêtes, c'est pour débloquer les apparences cachées. Et après, c'est la campagne du domaine de classe. Je veux dire, la campagne du déclin pour le ravage brisé que tout le monde, fait. Mais là, je suis venu pour faire l'aventure. Donc, c'est parti. Et. Je sais pas, ok, il y a donc des démons. Me grattez le J'ai eu dos, toutes les peines du poing à me monsieur. lancer dans mes laissants enfants, allons-y. Donc là, le repère de d'Aviana se fait attaquer. Hein. Attaque sur le seigneur du ciel, si vous voulez, la défendre du sang, mais je crois qu'il commence à perdre espoir, il a besoin de renforts musclés et vite. Tuer 15 envahisseurs, on sait que c'est une créature. Mes confrères ont besoin de notre aide. Hors de la mer, tuer Mère Miranda, c'est elle qui est une créature. On peut l'attaquer d'ici? Ouais. Ouais. Enfin, là. Ok, bon bah. face à la corruption, l'effort de la nature ne peuvent rien. Ta gueule. Alors là, ça va être beau. Je sais pas pourquoi je prends ça. Alors je m'éloigne un peu pour pas faire Du gros. danger? Je m'en occupe. Ok, attaque. Mais ça ne semble pas Si du ce n'était bon. qu'une diversion, où a lieu l'attaque principale? Vous devez Luna le demander à saura. Allons Aviana, lui demander. et elle Rentrer le en contact saura avec sûrement. Aviana. Elle est en haut ou en bas? J'imagine qu'elle est. Elle me dit qu'elle est en bas. Bon. Bon, on va pas y arriver avec ces bâtiments elfes de la nuit. J'imagine qu'elle est là-bas. Ok, donc il y a son sanctuaire. J'ignore si ça va fonctionner, mais autant essayer. Reculez! Aviana, tes enfants sollicitent ton aide. Les druides de la serre sont en train de se faire massacrer par la Légion. Dire que mes frères et sœurs sont morts à cause d'une diversion, c'est intolérable! Aviana, tes oiseaux rapportent ce qui se passe partout sur Azeroth. De grâce, aide-nous à trouver la cible des démons. Nous devons venger les nôtres. Je vois trop bien Aviana qui arrive en mode putain, mais vous me cassez les Tous couilles. ceux qui Et ont tu es en blessé renoi, il mes faut intervenir. enfants, Ah bah, c'est que maintenant. père. Voilà, tire d'elle à travers la afin de m'avouer de tout ce qui se passe. Mon allié Goldrin s'est rendu dans le refuge de reflet de lune pour survivre après la mort de Varian Vrim. Il a été épargné dans le rêve jusqu'à présent. Des démons étaient aperçus en train d'attaquer ces mêmes refuges, tuant nombreux de druides mortels. Intervenez, sauvez Goldrin et vengez notre peuple. Prenez la jeune Chelsea avec vous. Cette année, ces installations sont des atouts qui valent, que Valoris m'a couvés. Mon aide vous est acquis. Allez voir Thier Corbeau à reflet de lune. Logiquement, j'ai un portail pour reflet de lune. Délivrance. Météore, marche du rêve. Mutilation. Prompt, guérison. Non, on va voir si dans la marche du rêve. Parce que après. Bah attendez, c'est juste au-dessus en fait. On va y aller en vol. Hein. Parce que je sais pas si dans. Si on va dire. Un reflet de lune. D'accord, c'est ici un reflet de lune. Parce que je sais pas s'il y a un portail en fait. Donc on va y aller en vol, hein. Ça coûte, ça tue personne.
Donc voilà, on y va, je ferai un découpage. Ok, on a un reflet de lune, il y a le point d'interrogation. Et elle est là. Ils sont à nous, venir en aide. On fait une trop tête dans le refus des sons de Malfurion. Ok, comme vous voyez, les gens ont déporté, il vaut mieux qu'on ait de nouveaux démons. Bon, il faut les fermer, logique, et sauver. Putain, elle est chiante! Cette dard, c'est dans que sous Goldrin. Je ne sais pas que les gens lui fait suer la dame, mais il faut qu'on ait intérêt à sauver Goldrin. Ouais, il faut rentrer là-dedans, quoi. Oh, les dégâts, genre. Oh, j'aurais dû jouer farouche, c'est plus simple. Je me sens d'humeur massacrante. Ah putain, en plus c'est. Se trouver quelque part par ici. Ouvrez l'œil. Ok. Ok. Goldrin, debout, Goldrin. Du danger? Je m'en occupe. Ok, allons péter les portails. Je me sens d'humeur massacrante. Voilà. Ok, donc, premier portail. Il y en aura pour tout le monde. J'imagine déjà les démons essayant de traverser et se coinçant le visage dans les lianes. Quelle bonne idée! Yes! Je me sens d'humeur massacrante. Oh ouais, ça va un peu plus vite avec Farou. Peut-être jouer Farou, je sens. J'imagine déjà les démons essayant de traverser et se coinçant le visage dans les lianes. Quelle bonne idée! Je vais mettre Farouche. Non. On va pas se le mettre, pourquoi? Parce que j'ai pas une vraie arme. Là on fait juste là, tranquille, entre nous. J'imagine déjà les démons essayant de traverser ce non, on fait des saisons. Quelle bonne idée. Ok. Vu qu'on l'a libéré. On va aller le retrouver à l'extérieur. Il est là-bas. C'est les 200 fuyants. Que se passe-t-il? La légion estime courant, la mort du roi humain m'a profondément bouleversé, voyez-vous, j'avais fait de lui mon champion. Non seulement pour sa fierté, mais aussi pour ses gars, mettre ses instincts sanguins au service de ses convictions et de la protection de son père. Récemment, je me suis allé dans le rêve afin de me recueillir. Que ma décolle ne va pas sortir comme ça. La Légion cherche sans doute à tirer parti du flétrissement du cauchemar. Si j'ai été sa première cible, je ne serai sûrement pas la dernière. Nous devons trouver l'instigateur des attaques contre les nôtres et l'éliminer. Nous allons trouver une solution. Nous devons vers la cible rêve de ce qui se passe. Vous devez trouver dans l'ancien pour rien les autres, oui. Dites-leur que les hommes comme celle-ci gênés ne cesseront que lorsque nous trouverons un moyen d'arrêter la Légion. Ok, de vous être qui est en train dans mes veilles. On retourne voir ça dans le dans la Silver Ring. Nous devons découvrir qui mène ces attaques sans perdre un instant. Ça marche le portail ici? Ça marche. Ok, donc la Silver Ring c'est en face. Pauvre loup, c'est vrai que dans Légion, Variant se fait buter. D'ailleurs, dès le début, hein. Et le pauvre loup traumatisé. Que son champion soit mort. Ok, Silverhead, donc on va aller informer la populace du problème qu'il y a avec la Légion. Alors, Rensar.
Que peuvent sujet la tête sur le sanctuaire? J'ai peur que la tête visant ne soit qu'un début. Il est impératif que nous mettons la main sur celui ou celle qui a ordonné ses assauts. Tissali n'était pas avec vous. Elle n'est pas revenue qu'un putueux enfant. J'imagine qu'elle doit déjà apporter le rivage brisé à la recherche du mystérieux commandant. Retrouvez-la s'il vous plaît. Elle ne veut pas affronter. Rivage brisé. Oh putain. Bon, le problème c'est que le rivage brisé est super loin. Et comme il n'y a pas de. Bah si, il y a un truc. On va prendre le portail. Non, ça doit être assez rapide. Donc là, je pense qu'on commence à arriver vers la fin de la quête. La fin, on va dire. Parce que, en gros, non, il y a juste à tuer le commandant. Parce que je regardais pour la forme druide. Vous savez, la forme druide, il faut que j'aille faire. Si je dis pas de conneries, il faut que j'aille faire le donjon. Un raid. Pour avoir une chance de l'obtenir. Ou l'obtenir directement. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et je me demande si c'est pas Xavius Mythique. Je ne sais pas. J'arrive pas à savoir. Je m'en rappelle plus. Bon, on va dire que c'est pas un souci. Allez, les chargements, ils sont longs. Très longs. Et très chiant. C'est chiant les bugs. Allez, ça commence à casser les couilles. Même mon personnage se met à voler. Ça sera coupé au montage. Ah bon, enfin. Alors, où est ma chère? Elle est là. Petit Sally. Ce contenu, il est assez bien facilement. Ok, vous pouvez les aider. C'est un druide blessé, d'accord. Mais ouais, toi tu vas tâter de mon sort, tu vas voir là. À force de t'enlever à chaque fois. Alors, 3 missiles de main sur les démons. Très ce langue de vie, on dirait que les troupes ennemies se tirent dans le commande près de la marge des lamentations. Par contre, je n'ai toujours pas réussi à donner leur commandant ni à savoir où ils se trouvent. Reçu ces ordres pour arriver, c'est quand même pour eux en fouillant leur cadavre. D'accord. Ok, donc la marge des lamentations. Ah ouais, je me rappelais. Non, ici, il y avait une quête à la. Je veux dire, une expédition à la con. Ok, donc là il faut trouver les missiles. Je pense que les missiles ça va être eux qui vont les avoir. Ou pas du tout. Et une missive. Là, tiens, j'ai faim, on vous commande. Ok, ça c'est pas très compliqué de soigner des ennemis. Ok, c'est surtout les conquérants qui ont des missives. Ouais, enfin, quand ils ont envie d'en avoir une. Ok, on va les soigner comme ça.
Alors, toucher de la nature, c'est le cas, ça n'a pu porter ce quoi de druide. C'est, je crois, je le tiens. Katitras, tel est le nom de leur commandant, celui qui a ses attaques, c'est lui aussi qui met la danse à présent. Ils ne sont pas bien loin, il y a une petite île en de la côte, ok. Ok, donc on va aller lui casser la gueule. Ouais, petite île ici. Ok, petite île que je ne suis jamais allé. Donc j'imagine c'est pour les druides. Ce commandant va tâter de ma lame. T'inquiète. Je tuerai jusqu'au dernier de vos précieux anciens. C'est impossible. Que la vengeance est double, mais ça, ce seront de plus réjouissants. Alors, ça m'a fait mieux maintenant, nous avons eu leur commandant, les druides des anciens à craindre pendant un moment, elles vont être un bruit. Retenez-vous un de ça dans le Silver Rave. Allez, c'est parti. Bah de rien, très efficace, je vous aimais bien, en vrai. En vrai, ça va, elle était cool, elle était cool. Juste un peu casse-couille quand je voulais lui rendre la quête. Mais quand je voulais prendre les quêtes et qu'elle faisait, allons-y, vite, dépêchons-nous. Meuf, attends 2 secondes, t'es chiante. C'est parti. Avez-vous besoin de... Alors, ok. Vous avez mis un tas, vous avez visé nos anciens, vous avez mis un tas de l'archiduc de la CIA. Je suis fier de votre collège, je suis convaincu que nous avons ensemble de grands et belles choses. Faites de chaque dracier impeccable. Allez dans la grâce de Scénarius. Du danger ? Ok, Conrad, chez lui, j'aime bien Vianna, je lui vous tout le respect qu'on a droit, mais elle est un peu trop à mon goût. Je vois pas l'intérêt de la Suisse sans elle. Vous, en revanche, c'est trop chaud. Je vais m'élancer sur le champ de bataille pour vous démarrer. Alors, je peux vous accompagner, bien sûr. Vous ne le regretterez pas. Prête à passer à l'action. Ok. Il y en a qui me donne la quête derrière. La guerre qu'on a évolué, nous faut suivre. Nous sommes d'ailleurs en mesure de effectuer une nouvelle recherche. Allez trouver Barbe Fallu et continuez à faire mal votre domaine de classe. Nous tombons ensemble. À Barbe Feuillu, le légendaire. C'est qui? C'est celui qui est là-bas? Ok. Ancien. Passez vos 3 sauts. Je sais pas, le faire ça. Enfin, est-ce que je regrette un peu de faire ça ou je dirais oui. On va aller rendre la quête. Les cieux. Notre puissance s'accroît. D'accord. On va voir pourquoi. Je pense que j'aurais dû avancer un peu plus dans les quêtes. Donc on va faire une ellipse et on revient plus tard, juste après, donc à tout de suite. Donc alors j'ai fini toute la campagne du domaine de Cloud, donc les 15 chapitres du rivage brisé. Ça a été un peu long, donc je suis un peu désolé. Et donc on va aller attaquer immédiatement la dernière quête. Donc la Légion redouble ses assauts contre le sanctuaire d'Aviana à Ijal. Bon, il casse ses couilles la Légion, on va pas se mentir. Si ça l'est, Corbeau organise la contre-offensive et demande votre présence dans la Silver Rave séance tenante. De notre côté, nous garderons les combats ici, bonne chose, Archido. Donc on doit aller retourner parler et même pas un putain de portail, donc c'est pas très grave, on va utiliser le TP pour se permettre d'aller à mon domaine de classe et aller directement sur Ijal. Mais bon, on n'a pas de chance sur ça, pareil dans la Silver Rave, très bien. Donc en plus de ça, j'ai bien fait. Donc le sanctuaire d'Aviana se fait attaquer. Pour petit rappel, voilà, on avait défendu le sanctuaire d'Aviana qui s'était fait attaquer par la Légion. On a même retrouvé celui qui organisait les attaques contre les, on va dire, les demi-dieux qu'on a buté sur le rivage brisé. Et donc là, on voit qu'il continue à attaquer Aviana. Donc c'est parti, elle est là, notre Tissel et Corbeau. Nous n'avons pas beaucoup de temps, le sang est en feu, alors nous parlons.
Le sanctuaire. La situation est grave. La Légion attaque le sanctuaire d'Aviana et gèle encore une fois. Elle doit charger quelque chose de précis, mais je ne sais pas quoi. Nous autres druides de Acer, nous sommes des éclaireurs et des infiltrateurs d'une certaine habileté, mais nous manquons de robustesse. Nos frères ne tiendront pas longtemps, nous devons leur porter secours. Détis allé à Ijal, puis rejoignez-la dans un Silver Rêve. Ah non. Il me demande de prendre le portail. Alors que je vais au sanctuaire d'Aviana. Mais ça c'est très débile, ça. Jamais compris. Ce système de pour aller le plus rapidement possible, alors que je suis un druide quand même. Et ça encore, je trouve ça dommage. Ijal, c'est ici. C'est, je veux dire, ces débiles, ils prennent pas en compte le fait que je sois un druide et que je peux passer par la Silver Rail. C'est bon. Je pense qu'ils se sont pas compliqués à essayer de trouver. De faire une ligne de code en mode si vous jouez druide pour aller là. Bah, passer par Silver Rêve au lieu de passer par les portails habituels. Vraiment, ils se sont pas fait chier. Alors que je pense, après, dites-moi si j'ai tort, bien évidemment, avec une ligne de code, ça va tuer personne de faire une petite ligne de code. Alors peut-être ça peut être chiant, parce que peut-être il faudrait changer s'il y a une mise à jour. Vous savez, souvent dans les jeux comme ça, quand il y a une nouvelle mise à jour qui apporte, souvent ça va apporter des problèmes sur telle partie de, on va dire, du jeu. Par exemple, je sais pas, il y a une nouvelle mise à jour qui vous dit que la quête se trouvant à, pas Situs, mais à Feralas, je sais pas, on va dire, l'avant-dernier chapitre, qui vous dit qu'il n'y a pas une quête qui est complètement buggée. Oula, qu'est-ce qui se passe, c'est le TP. Voilà, je veux dire, il peut y avoir une mise à jour qui casse tout. Hop, hop, je me fais attaquer. Seigneur... Il est où le seigneur? Il est là-bas. Ah d'accord, en fait je peux pas voler parce que c'est un scénario. Ok, bon, bien sûr. Ok, donc grosse baston, c'est encore plus violent que la dernière fois, ou alors qu'avant c'était un petit assaut. Comment on peut faire pour vous? Vous devez vous rendre immédiatement sur le champ de bataille. Tuez les démons. Débarrassez-nous des démons qui attaquent nos troupes. Ok, c'est ouais, donc grosse bataille. Faire ça. Oh, lui il est un peu plus puissant. Ok, donc on a droit à un petit scénario final. Ça lag à mort par contre. Je ne sais pas ce qui se passe. Viens là toi. Ouais, ça, je lag un peu, je suis désolé. Pourtant, j'ai du GDMS. Regardez-moi ces griffes. Nous sommes imbattables. Bon, je ne sais pas pourquoi eux m'attaquent. Ok, c'est vraiment la grosse bastonnade. Ok, on va essayer plus profond. En vrai, c'est vachement plus simple, hein. Ça va plus vite comme ça. Il y a même des gardes, des crash flammes. Les crash flammes me fait penser aux canons de, les canons du chaos dans Warhammer. En vrai, on va pas se mentir, je pense que c'est inspiré de ça. Ok, mais on a une grosse baston. Ouais, non. Quelques ennemis, je pense ce crash flamme. D'accord, c'est bon, Yin. Des cris en provenance du sanctuaire. Nous devons y retourner immédiatement. Sanctuaire examiné. Donc ça doit être à l'intérieur. Ok, il y a eu des morts. Nous périrons face à la puissance de la Légion. Bah. Ok. Seul. Non, l'idole. Bah, go l'attaquer, non? Non. Chemin du rêve, donc j'imagine que c'est ça.
Silverhead. Bah, je peux pas. D'accord. Est-ce qu'il y a un portail au moins là-dedans? On va essayer de voir s'il y a un portail. Ok, bah voilà. Moi qui parlais de bug, bah voilà un bug. Je ne peux pas faire parce que je suis dans un scénario. On va essayer un truc. On va se barrer loin. Et voir si... Bah non. Ok, donc... Les mecs se sont pas dit, non, bon... Bah attendez, on est où? Oh. Bien sûr, ils servent à rien. On va essayer de voir si on peut se TP. Putain, on peut vraiment pas. Excusez-moi, on s'en va. Ça, c'est débile, ça, par contre. On va attendre de bien quitter mon Hyral. Voilà. Bon, il y a eu un bug. C'est pas très grave. Petite flippette. Je couperai pas ça au montage, parce que c'est assez court. Mais ça reste débile. Genre vraiment en mode, ah bah non, vous pouvez pas utiliser, vous êtes dans un scénario, c'est débile. Ça c'est une erreur de codage, ça. Je pense que c'est une erreur de codage. Et ça, c'est un truc qu'ils corrigeront pas, parce que de toute façon, même si je leur dis, ils s'en foutront un peu. Ok, donc il faut aller là-bas. Ok, donc par ici. Bon, c'est vrai que c'est un peu bordel pour se déplacer. J'espère que c'est vraiment derrière. Ouais, ça va, c'est ici. Père, pour tous nos impérés aujourd'hui, bien nous irons à fuir. D'accord, face à Mignon. Daviana est tombée entre les deux démons, leader a été dérouvé. C'est un lien entre Druid Acer et le don du vol qui nous a accueilli par Aviana. Nous avons de bâtir un nouveau sanctuaire dans un plus ici dans Silver. Si vous voulez bien nous aider, retrouvez sur Azuna près de moi où nous allons Infaza. Occupé d'Infaza et récupérer l'idole. Est-ce qu'elle dit un truc, on doit y aller? Parce qu'ils me disent où? Asuna. Je vais aller. On va faire une ellipse. Donc à tout de suite. Donc voilà, fin de, on va dire, enfin la dernière ellipse, enfin je l'espère. Donc là j'arrive à la zone en question pour aller récupérer l'idole d'Aviana, c'est peut-être ici. Ça lance un scénario encore une fois, bon merci. Ok, allez voir Tissali Corbeau. Donc elle est là, ouais ok, ouais je vois où c'est. Et il y a même un vaisseau, très bien. Ok, bah je te suis. Je vais faire comme elle parce que si ça annule le truc, ça va être chiant. Excusez-moi pour la chaise qui queen. Elle est plus très en forme. Ça fait 3 ans que je l'ai. Ah ouais, ouais, ça me dit un truc. Parce que la dernière fois, quand je jouais mon DK il y a longtemps, j'étais passé au-dessus. Il y avait plein de démons. Je fais, mais tiens, mais pourtant il n'y a rien ici. Je crois comprendre le truc. Ah bah, en même temps, vu tous les démons qu'il y a, ça m'étonne. Hein. Infiltré, ouais donc infiltré, donc bah de toute façon je suis niveau 120 donc déjà y a pas de problème, ils font leur chemin, il y a juste à suivre elle en fait. Ah regardez il est là ce fils de pute. Là il y a plein de gens qui ont été capturés. Légion, grâce à cette idole, la cité flottante des mortels ne pourra plus les protéger. D'accord. Non, tu vas mourir, démon. Pas discret, ça. Hein. Ok, la ligne. Oula, aïe. Voulez-vous battre? Bah, venez. D'accord, ok, c'est comme ça qu'on a des mégères corrompues. Ok, c'est intéressant, hein. Ça détruit, ça c'est des trucs que je savais pas. Hein. Parce que c'est vrai, on affronte des compus, mais comment le savoir? Ils sont sur une petite île dans les rivages brisés. Ouais, en fait, là je me tape tout le monde quoi. Bah venez, hein. Ouais.
Ok, c'est donc comme ça qu'ils ont corrompu. Attendez, j'écris. Nice. Ouais, j'arrive, j'arrive. Ok, donc j'arrive. Diana, je t'en prie, viens-nous en aide. Ok, donc prenons la chouette. Ah, c'est notre. Il se fout de ma gueule en plein alors que je tourne la vidéo. Ok, on va sur le vaisseau, tranquille. Quand fais-tu un stream, ma gueule, Marc Dorcel? Qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont beaucoup trop cons. Un stream Mac de Marc Dorcel. Putain, des bêta et des joueurs tôt là. Je suis pas assez influenceur, les mecs. Ok, bon bah, let's go. Les massacrer. Tournez, passe le choix. Ah, donc là, on va massacrer. C'est pour. Ah, il a matronné, les gars. Allez, bam! Putain, en plus, je vois leurs commentaires. J'ai trop envie d'y répondre maintenant, mais ils peuvent pas. Je ne pourrais pas. Là, je m'occupe d'un. Il idole. Rapportons cette idole à la Silver Eve. Non. Non, non, dis-moi. Meuf. Comment je descends, moi? Est-ce que j'ai un... Bon, allez, on fait dernière ellipse et je vous ramène l'idole. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, hein, j'ai dû mourir en sautant du vaisseau, malheureusement. C'est mal foutu, hein, c'est mal foutu tout ça, mais bon, c'est pas grave. Allez, donc on va remettre l'idole d'Aviana, corrompue, hein. Vous placez l'idole, vous avez la forme de Seleka et d'Archidruid, donc c'est la monture des druides. Attention. Oh la musique. Ouais, on l'a purifié. Oh, wow, j'ai fusionné avec Aviana. Waouh. Non mais ça me fume. C'est beaucoup trop drôle, genre. Mais au début j'ai vraiment cru que ça allait nous mettre le thème de Star Wars. Genre, j'ai l'impression que c'est la fin de l'épisode 4. Mais voilà, donc forme Selena, donc j'imagine c'est ça. D'accord, j'ai la nouvelle forme, qui est plutôt classe, hein, on va pas se mentir. J'aime beaucoup. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est la fin des vidéos sur le domaine de classe des druides. À la base, j'ai fini la campagne, mais je voulais vous montrer obtenir la monture parce que c'est un petit ça reste quand même un scénario. Donc voilà, le prochain domaine de classe que je vais faire, ça va être le chaman. Et après, je pense le voleur, et après, il faudra que je monte mes classes, donc ça sera un peu plus long. Donc voilà, merci à ceux qui m'ont suivi, ou ceux qui me suivent sur WoW de base. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos WoW. Bon, il y a un peu moins de vidéos, parce que tout simplement, voilà, il faut attendre le pré-patch de la nouvelle extension, ainsi que la nouvelle extension, et c'est pas avant la fin de cette année. Donc on va être dans une période assez lente. Je suis honnête avec vous. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Merci encore. Ciao, ciao.